ici, ils ont les pieds dans l'eau. C'est pour ça que t'es en zone publique, quoi. Parce que c'est inondable ou partiellement inondable. Toutes les cabanes que vous voyez, elles se ressemblent. Parce qu'autrefois, pour limiter la construction ici, toutes les cabanes devaient faire 100 mètres par 4. Elles se passaient les unes des autres, moins de 9 mètres. Il y en a parmi vous qui ont été visiter des quartiers Recoles sur le bassin. Ouais. Mais vous avez vu, c'est pareil. C'est les mêmes cabanes, quoi. Elles font toutes 6 mètres par 4. À la base, ouais. Ils ont fait le bar en sauté par la tour. Normalement, dans ces cabanes, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que sur la presqu'île du Ferré, c'est la commune qui loue les bontons, les quais, les cabanes pour professionnels de la mer. C'est comme ça que ça marche. Quand tu arrêtes ton activité, tu rentres ta cabane et le quai. Normalement, dans ces cabanes, toute activité commerciale est interdite. Mais le problème qui s'est passé, c'est sûrement une dizaine d'années d'ostriculture du bassin avec une grave crise. Quoi. Les huîtres crevées, les mecs qui rentrent pas, qui font peut-être un des coups marrons. Pour éviter que tout le monde fasse rayer, ils avaient été autorisés à faire des dégustations. C'est pour ça qu'on est en cabane de dégustation sur le bassin. Thank you.
deux personnes. Vilaine, vous voulez pas ce que je t'ai dit? Pourquoi tu voulais jeter? Souffle dessus. Hein? Oui, souffle dessus. Inauguré par le président de la République.